allons les déployer sur le plan. Nous allons lire dans le livre d'Éphésiens, chapitre 2, verset 5, et après ça, nous allons aussi lire dans le livre de Jean, chapitre 5, verset 24. Nous commençons par Éphésiens. La Bible dit, « Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. » Jean chapitre 5, verset 24. « en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Amen. Amen. Seigneur, nous te disons merci. Nous sommes de l'expectative, Seigneur, que tu nous donneras le contexte de ces passages bibliques. Nous savons, Seigneur, que ce message a été envoyé au travers de ton prophète. Voilà pourquoi, Dieu, nous voulons comprendre cette Bible selon la compréhension que tu lui as donnée. Bénis, Seigneur, la lecture de la parole. Bénis chacun de nous ici présents. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous te prions ici. Amen. Que vous asseoir, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc, aujourd'hui encore, je vais continuer avec les mystères de la résurrection. Souvenez-vous de ce que le frère Branham dit. Le frère Branham dit qu'un mystère, c'est quelque chose qui a été d'abord caché et qui est révélé après. Mais il y a toujours un élément surnaturel qui y est attaché. Et parmi tous les mystères, il y a aussi le mystère de la résurrection. Paul a dit, voici je vous dis un mystère. La mort c'est un mystère, la résurrection aussi c'est un mystère. Alors, on avait parlé de la mort dans Genèse. C'est que le frère Benoît, Dieu a dit à Adam, que le jour que tu mangeras le fruit, ce jour-là, tu vas mourir. Et Adam a mangé le fruit en question, il n'est pas mort. Adam continue à marcher dans le jardin d'Eden. Mais le frère Branham est venu nous dire que le jour que Adam avait mangé le fruit, ce jour-là, il était mort. Comment? Il était séparé de Dieu. Donc, selon le frère Branham, ou ce qui était la pensée de Dieu, la mort, c'est la séparation avec Dieu. Donc, c'est-à-dire que pour ressusciter, tu dois revenir en contact avec Dieu. Amen. Et pour ce qui est du retour à la poussière, c'est le monde qui nous a dit que c'était la mort. Mais pour Dieu, le retour à la poussière n'est pas la mort. Donc en cela, la résurrection ne peut pas concerner le retour dans la poussière. Amen. Voilà pourquoi le frère Branham a changé tout ça. Pour nous dire que la résurrection, ce n'est pas que les tombes vont s'ouvrir. Les anges vont descendre avec des paix pour ouvrir les tombes. On avait lu Matthieu 27 dernièrement ici. Et là, on nous dit que lors de la résurrection de Jésus-Christ, les sépulcres s'ouvrirent. Mais aujourd'hui, si vous allez en Israël, vous allez voir les sépulcres de David. Et les os de David sont toujours là. Mais la Bible nous dit que David est ressuscité. On avait aussi dit que s'il est ressuscité réellement, donc c'est-à-dire qu'il n'est pas mort. Donc Abraham, David, tous les saints ne sont pas morts, ils sont vivants. Mais la question est celle-ci, ils sont où? S'ils sont vivants dans la manière dont nous pensons être vivants, alors chaque personne doit me montrer où se trouve David en ce moment. David roule dans quelle voiture? Amen. Il vit dans quel pays? Mais et pourtant la Bible dit qu'il est vivant. Ils étaient ressuscités. Mais ils sont où? Mais ils sont vivants. Et si nous voulons comprendre la résurrection en notre temps, on doit d'abord commencer à comprendre la résurrection de Matthieu 27. Après cette résurrection-là, on voit que Jésus a dit aux disciples que celui qui croit en moi ne verra plus jamais la mort. Mais il est passé de la mort à la vie. La chose a troublé les juifs. Les juifs ont dit, mais qui est celui-ci? Comment dit-il que celui qui croira en lui, mais il est qui? Quel genre de personne? Nous connaissons Jéhovah, le Dieu de Moïse. Quand Moïse descendait du haut de la montagne, son visage brillait, resplendissait reflétait la lumière. Mais qui est ce monsieur qui est sorti hors de Moïse, qui
contredit même la parole de Moïse, qui nous dit de manger sa chair et de boire son sang. En plus, il nous dit que celui qui croit en lui ne verra jamais la mort. Ok? Il a ses disciples qui sont en train de le suivre. Nous allons voir ces disciples-là s'ils vont mourir. Quelques temps après, Matthieu est mort. Quelques temps après, Luc est mort. Il dit, ah, vous voyez, fausse doctrine. N'est-ce pas, il a dit que celui qui croit en lui ne verra jamais la mort. Mais prends Pierre est mort. Matthieu est mort, Luc est mort. Est-ce que Jésus a menti? Non. Le problème, c'est que la résurrection de la pensée de Jésus était autre que la résurrection des hommes. Voilà notre problème aujourd'hui. Voilà pourquoi le frère Branham nous a dit de regarder toutes choses dans la dispensation. Reconnaître votre jour et votre message. Le frère Branham dit les messes ou bien les désordres, c'est quoi? C'est lorsque nous voulons prendre les messages de Luther, venir prêcher ça au temps de Wesley. Ça, c'est un désordre. Et si nous voulons prendre ce qui est dans l'autre âge, amener ça dans un autre âge, ça c'est du désordre. Et pourtant nous le savons très bien, que cette promesse de Thessaloniciens 4 concernait le septième âge de l'Église. Or le frère Branham nous a dit que Laodicée n'est plus là. Laodicée est déjà pris fin. Pourquoi? Le frère Branham dit que dans chaque âge, Dieu envoie un messager pour faire sortir les gens de l'âge. Au temps de Luther, lorsqu'il y a eu un mélange, Dieu a envoyé Luther. Luther est venu, il dit, chaque messager vient à la fin de l'âge. Quand il arrive, il amène les gens dans un autre âge. Et puis lui, il est parti. Mais dans l'âge de l'Odyssée, nous avons un messager qui était censé nous faire sortir de l'âge de l'Odyssée. Ce messager a quitté la scène depuis 1965. Amen. Mais jusqu'aujourd'hui, les gens sont toujours dans l'âge de l'Odyssée. Donc c'est-à-dire qu'ils ne sortiront jamais de là. Oui. Parce qu'il n'y a personne pour le faire sortir. Oui. Il faut que le messager soit là pour le faire sortir de l'âge de l'Odyssée. Donc cela veut dire que toutes les promesses qui ont été faites pour l'âge de l'Odyssée doivent déjà avoir lieu. Et quand nous voyons maintenant la pyramide, dans la pyramide, nous voyons que l'âge de l'Odyssée se trouve à ce niveau-là. Amen. C'est à ce niveau-là. Et la promesse de la résurrection était pour le septième âge. Et tous les six âges, les gens sont morts. Mais Frère Branham dit que dans le septième âge, nous n'allons pas mourir. Mais là, quand on parle de l'Odyssée, hein, l'Odyssée c'est d'abord Frère Branham. Éphèse, c'est Paul. Smyrne, c'est Irénée. Ainsi de suite. L'âge de l'Odyssée, c'est Branham. Donc, ça dit que les représentants de l'Odyssée, c'est William Branham. Et si Dieu nous laisse dans l'Odyssée, sans William Branham, nous sommes foutus, frère. Parce que l'homme est là pour être conduit. L'homme doit être conduit. Jusqu'à ce que les messagers quittent l'âge, les gens sont toujours dans l'âge de l'Odyssée, attendent toujours les promesses de l'Odyssée. Qu'est-ce qui est plus glorieux? Ressusciter ce corps ou bien passer de la mort à la vie? La chose la plus importante, c'est la vie éternelle. Je peux, Frère Branham dit que tu peux tomber malade et tu es guéri, mais à la fin tu finis en enfer. Il dit, mais celui qui reçoit la vie éternelle, même s'il est malade, mais néanmoins dans son âme, il est sauvé. Amen. La chose la plus glorieuse, ce n'est pas le corps. La chose, c'est quoi? Nous avons été embrouillés par le corps. Tout ce que nous attendons comme promesse, nous l'attendons par rapport à ce corps. Voilà le problème. Voilà. Quand on dit que nous serons enlevés, frère, on n'est pas encore enlevés, c'est parce que nous pensons que c'est cette chair qui va partir. Et pourtant, il n'y a aucune promesse pour ces messieurs. La Bible dit qu'il est poussière qui retournera à la poussière. Il ne peut pas aller nulle part, rien si ce n'est pas dans la poussière, parce qu'il vient de là. Et aussi, la résurrection ne les concerne non plus. Et quand je dis, oh frère, nous attendons, frère, nous serons ressuscités. Frère, la résurrection là, le frère Branham nous a dit, frère, ce n'est pas parce que vous ne voyez pas et que la chose n'existe pas. Attention. Vous connaissez l'histoire de ce monsieur-là avec les parcs noirs. On est en train de rouler dans la voiture comme ça. Dans la prédication qui est excellent. Et la voiture a ramassé un monsieur. Le monsieur a sauté en l'air comme ça.
avec son pantalon noir, il est tombé par terre. Pouf. Ah, la femme qui conduisait la voiture a freiné. Les gens sont venus, ah, quelqu'un est mort ici. Ils cherchent comme ça, personne. Ils se disent, oh, non, non, non. La femme lui dit, moi j'ai cogné quelqu'un, ici, là. Mais la personne, elle est où? Il n'y a personne. La personne qui était derrière la femme dit que moi aussi j'ai vu comment la personne était projetée à l'air. Elle est tombée par terre. Mais il est parti où? Disparu. On a amené les enquêtes. La police dit qu'à cet endroit-là, il y avait un monsieur qui était ramassé par une voiture. Les femmes Barra me disent, voyez-vous, même si vous êtes pécheurs, vous devez retourner ici pour le jugement. Et aujourd'hui, nous avons le juge suprême. Amen. Et le juge suprême, quand il revient, il n'amène pas la première résolution, c'est la deuxième résolution. Amen. Écoutez ce que la Bible dit. Êtes son saint. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. C'est d'abord la résurrection qui arrive avant l'enlèvement. Or l'enlèvement, c'est dans le quatrième saut. Amen. Vous ne pouvez pas placer la résurrection après l'enlèvement. C'est dans le quatrième saut. Et le quatrième saut, c'est l'âge de l'Odyssée. Amen. Parce que les âges de l'Église, d'ici jusque-là, c'est du premier au troisième saut. Parce que le quatrième saut, c'est là, l'enlèvement. Apocalypse 1 jusqu'à Apocalypse 4. Le quatrième saut, c'est le saut de l'enlèvement. Le cinquième saut, ce n'est pas. Le cinquième saut arrive après l'enlèvement. C'est la persécution des Juifs. Les frères ont appelé ça une tribulation amateur. Les âmes sur le terrain, ainsi de suite. Et le sixième saut, c'est le saut, n'est-ce pas, qui est ouvert par les deux témoins. Le frère Barama dit que ce sont les deux témoins qui ont ouvert le sixième saut. Maintenant, est-ce que le sixième saut est ouvert? Oui, monsieur. Parce qu'il n'y a pas une ouverture du sixième saut si le septième saut n'est pas encore ouvert. Amen. Donc, si le septième saut est ouvert, donc du premier au sixième saut, c'est déjà ouvert. Amen. Parce que le septième saut, c'était l'enveloppe de tous les sauts. Amen. Et le frère Barama dit que le septième saut, c'est la nuée qui est descendue, c'est la pyramide qui est coiffée. Vous voyez déjà que ce n'est pas l'âge de l'Odyssée. Donc s'il y avait une promesse de l'enlèvement, ça ne doit pas se retrouver là. C'est là. Yes, sir. Et on ne peut pas arriver dans la pierre de fer et après retourner dans l'âge de l'Odyssée. Mais ça, c'est les désordres, frère. Ça, c'est quel message, frère? Croire le message en 1970, ça ne veut rien dire. Et puis, comme nous sommes là, si vous voulez connaître la technologie, ce sont les enfants qui vont vous apprendre. Voilà. Tu dis, Dieu, c'est un petit. Lui, il ne va pas me montrer ça. Mais Dieu se maîtrise la technologie plus que moi. Ouais. Je vais vous donner un exemple. Un petit truc qui va compliquer ici. Vous voyez, quand vous utilisez le curseur de l'ordinateur, là, il y a la flèche qui vient là. Je n'arrivais pas à enlever la flèche là. Moi qui me croyais expert en ordinateur. C'est le frère Jesse qui m'a montré ça. Il dit, balance ça seulement de l'autre côté, ça va retourner. Pour lui, c'est simple. Mais pour moi, c'était un grand problème. Je cherche la flèche disparaît de l'écran, mais ça apparaît là-bas. Mais là, enlever ça pour remettre ça ici, mais tu vas faire comment? Est-ce qu'il faut prendre la flèche et mettre là? Non, j'ai besoin d'un expert. Et lui, il est moins âgé que moi, c'est son âge. Et l'âge que nous vivons, frère, nous sommes nés au temps de la pierre de fête. Amen. Et quand nous sommes dans la pierre de fête, nous regardons les choses en bas. Voilà. Oh, moi je suis dans la pierre de fête, toi tu viens me parler là où c'est. Non, ça c'est une histoire passée, frère. Amen. À la fin, nous serons enlevés. Dans la pierre de fête, ça c'est passé, frère. Moi je ne suis pas un Laodicéen. Je ne suis même pas quelqu'un de nation, frère. Amen. Je suis l'épouse, frère. Amen. Les femmes ont dit à la descente de la nuée, c'est Christ et l'épouse qui descendent. Amen. Parce que l'homme qui a été créé, il a été créé en forme d'un nuage blanc. Amen. Et quand vous voyez la photo là, c'est la photo familiale. Yes, amen. Sir. Amen. Il dit, Jésus était au milieu, Christ lui-même, les sept messagers formaient sa perruque. Mm. Et les sept messagers,
qui avait la torse bombée, le septième ange, était à toi. Il dit, c'est lui qui a attiré mon attention. Amen. C'est-à-dire que Branham a attiré l'attention de Branham. Amen. Éric attire l'attention d'Éric. Amen. Comme Jean attire l'attention de Jean. Amen, amen. Et si tu n'es pas représenté là, qui va attirer ton attention, frère? C'est ça le problème. Amen. Get it focused. Quand les gens regardent ça comme ça, frère, c'est pas ça. Oui, je comprends leur position. Parce qu'ils ne sont pas dans la nuée, frère. L'église est sa puissance. Qui secoue à ce temps. Frère, aujourd'hui, là, la chose qui arrive, frère, c'est une grande puissance. Ça, si ça entre dans ton église, l'église est partie. Oui. L'église est partie, frère. Parce que. Il dit que quand la pierre là est descendue, frère, la Bible dit que la pierre est descendue avec une grande puissance. Ça frappait la statue. Amen. Au niveau du pied. Ouais. Et la statue, frère Branham dit que ça représentait les anges de l'église. Amen. Donc quand la pierre de fait descend, les anges de l'église ne peuvent pas exister, frère. Amen. Faire exister les anges de l'église et la pierre de fait au même moment, frère, c'est la folie. Amen. On est où? On est où? Le problème, c'est que les gens ont mal compris la disposition. Amen. Et de son secret. Au son de la trompette, nous, on n'est pas des pentecôtistes. Donc, quand on parle de la trompette, ce n'est pas. Non. Les femmes nous ont donné des définitions. C'est-à-dire, ici, nous avons les ingrédients qui produisent la résurrection. Premier ingrédient, un signal donné, c'est-à-dire les cris. Les femmes ont dit que c'est la même voix qui a appelé Lazare d'entre le monde. Frère, oh, la voix a déjà parlé. Amen. Si tu restes dans la tombe, c'est ton problème. Et puis, au temps de Lazare, ce n'est pas tout le monde qui résistait. Non. Frère Branham a dit que Jésus devait appeler les noms. S'il avait dit, c'est ma soeur, tout le monde allait sortir. Amen. Amen. Hein? Sortez là, tout le monde. Non, non, non. Lazare, sort. Donc, si tu n'es pas Lazare, tu restes là. Et la tombe, c'est quoi? Ce sont les églises, frère. Amen. Amen. Endormi par les prédications des pasteurs. Oui. Dans les buts lucratifs, ils aiment tellement l'argent. Toute la prédication est basée sur l'argent. Frère, non, on n'est pas là. Si tu as fait de l'église ton business, quand la peur de fête arrive, ça détruit le business, frère. Amen. Amen. Moi, j'ai un travail. Amen. Amen. J'ai un travail, frère. On cherche l'argent avec l'État, mais pas avec l'église. Amen. L'église n'est pas un temps de paix. Frère Branham dit qu'ils ont fait de l'église de 1000 tickets. Mm. Non, l'église n'est pas les 1000 tickets. Voilà pourquoi moi je me sens vraiment inconfortable de parler de l'argent ici. Et si c'est pour la parole, frère. Amen. Amen. Alors, si tu as fait de l'église, ton temps de paix, c'est ton problème. Mm. Voilà pourquoi les gens disent, non, attention avec ces gens-là. Mais il faut les affronter. Viens. Oui. Jésus a dit, celui qui croit en moi est passé de la mort à la vie. Oh, mais toi tu es d'accord. Le problème c'est que toi, les choses de Dieu, c'est dans la simplicité, frère. Frère, on a dit que tout ce que Dieu a promis, il n'y a aucun événement. La résurrection, ce n'est pas un événement. L'enlèvement, ce n'est pas un événement. Mais la manière dont les gens atteignent l'enlèvement, ils pensent que c'est un grand événement. Ce n'est même pas un événement, frère, on a dit que c'est quelque chose qui ne frappe pas l'œil. Dans la simplicité. Israël attendait le Messie viendra. Une promesse de 400 ans, ils attendaient. Pour eux, ils pensaient que les clairons vont sonner, les Égyptiens vont se cacher. Les libertés sont venues. Les libertés sont venues comme un bébé frère. Après, Dieu prend la liberté, il va les cacher dans la maison de Pharaon. Fausse doctrine, frère. Quoi? Votre liberté, les bébés là? Non, 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 non. Ça, c'est pas Dieu. Oui. Mais Yochebed. Et Abraham, le papa de Moïse et la maman de Moïse, et ils comprenaient que nous avons la liberté dans la maison. Amen. Même si les moines ne croient pas, mais eux, ils savaient. Ouais. Frère, vous voulez voir la liberté? Viens chez moi à la maison. Ouais. Fausse doctrine. Frère, la liberté n'est pas venue dans une église, frère. Amen. Jésus, quand il est venu, n'est pas dans une église. Je vous ai dit, l'église, c'est l'ennemi de Dieu. Amen. Le diable a pris possession de l'église. L'église catholique, c'est le diable lui-même qui est là. C'est lui le patron. Et l'esprit là s'est répandu dans toutes les églises. Les gens sont dans la politique ecclésiastique. Toujours des pensées, des arrière-pensées. Il y a un pasteur qui a été invité. Quand nous étions partis à la dédicace. Le pasteur qui nous donne la promesse. Ah, je serai là en tout cas, comptez sur moi. On arrive vers le pasteur de Bavé. Oh. Mais
Qu'est-ce qui s'est passé? Après, j'ai parlé à un frère, mais il est passé de venir, il n'est pas là. Il dit, non, on lui a dit que toi, tu vas aller là-bas pour soutenir les gens. Tu sais ce qu'il croit? Et le pasteur a changé sa pensée. Moi, je dis, non, nous allons confronter ces messieurs. Je parle des frères, j'appelle les messieurs. Moi, je dis, oh. Non, j'appelle les frères forcés. Moi, je dis, tu sais pourquoi le pasteur n'est pas venu? Il dit, non, il y a un monsieur qui lui a dit que nous nous projetons les fausses doctrines. Donc, s'il vient là, il va soutenir notre doctrine. Il dit, ah bon, mais on va faire comment? Il dit, mais il faut l'appeler. Appelle les dîmes que moi j'ai dit. Il n'a pas de prison. On l'appelle. Mais, oh non, moi je n'ai pas dit ça. Il ment, parce que menteur. Mais si tu n'es pas capable d'assumer, ben pourquoi tu es dans la médisance? Oh non, moi je n'ai pas dit ça, tout ça. Il dit, oh, ok. Donc, on appelle le frère alors. Oh non, non, on appelle pas d'abord. Moi-même, je vais l'appeler. Oh, on appelle. Oh bon, appelle. On m'appelle, on fait la conférence comme ça. Oh non, moi je n'ai pas dit ça. Ok, on appelle le quatrième frère. Oh non, attendez, moi je vais l'appeler. On a coupé. Quand il appelle le frère là-bas, il dit, ah frère, pourquoi tu es parti me vendre là-bas? Il dit, oh quoi? Il dit, non, mais toi tu es parti, moi je suis avec moi, je voulais seulement vous prévenir. Tout. Il dit, mais non. Mais qui t'a dit ça? Mais c'est le frère tel qui a dit ça, il a dit son frère. Les frères, ils me disent, oui, on devait dire ça comme ça. Parce qu'il fallait stopper l'esprit là. Moi, quand on vous invite, hein, ne pensez pas parce que nous pensons que vous êtes mieux que nous. Non, c'est l'amour simplement que nous voulons avoir. Pour nous, vous ne croyez rien. Amen. Alors, si, parce que si vous voulez la guerre de la parole, nous allons vous anéantir. Parce que si vous croyez vraiment Branham, frère, si tu crois Branham, les messages, soit tu les quittes, soit tu restes. Parce que dans les messages de frère Branham, les septième sceau que vous voyez là, met fin à toute chose. Voilà. Ça, mais, les septième sceau n'arrive pas après la résurrection, ça arrive avant la résurrection. On a confronté le pasteur. Tout ce qu'il doit faire maintenant, c'est d'appeler ses frères et forcés, dire pardon. Et est-ce qu'il aura, il aura cette pensée? Non, on va pas. Thank you. Mais nous, on ne va pas le manger. On n'a pas les marmites pour préparer les gens. Il peut seulement dire pardon, c'est tout. Les gens ont peur. Tous les ingrédients possibles. La trompette, frère Balam dit que c'est le message. La voix, c'est un messager. Est-ce que nous avons eu un messager? Oui. Donc il est là. Ça, c'est la voix. Parce que Jean a dit, on a demandé à Jean, qui es-tu? Il dit, je suis la voix qui crie dans le désert. Donc frère Balam dit que la voix, c'est le messager. On a eu un messager? Oui, monsieur. Et la trompette, c'est l'évangile. Bon, dis-moi, qu'est-ce qui reste encore? Qu'est-ce qui doit produire encore la résurrection? La Bible dit, ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées. Au pluriel, bien sûr. Femme, enfin, quand l'épouse monte, elle va dans le septième saut. Parce que l'épouse monte au chapitre 5, elle voit les livres. Qui est digne? Jean pleure, Jean représentait l'épouse. L'épouse a pleuré. Qui est digne? Personne. On dit maintenant que ne pleure point. Parce que le lion de la tribu de Judas a vaincu pour ouvrir le livre et briser le sceau. Et on cherche maintenant partout, il n'y avait personne. Le frère Balaam dit que c'est lui qui a brisé le sceau et est sorti du trône même. Amen. Donc c'est lui qui posait la question. Et c'est lui qui avait brisé le sceau, c'est la même personne. Quand on dit qu'il a quitté le trône du Père pour prendre son propre trône, frère Balaam dit qu'il ne fait que changer de dispensation. Quand il vient là, il peut se mettre le sceau. Et tout cela, c'est au chapitre 5. Au chapitre 6, on montre l'ouverture de sceau. Maintenant, quand l'épouse, quand la nuée descend maintenant, Apocalypse chapitre 10, frère Branham dit que c'est le juge suprême qui descend. Là, l'épouse a déjà vu le sceau au ciel. C'est maintenant l'épouse qui descend avec l'époux en tant que juge. Au chapitre 10 d'Apocalypse. Et en ce moment-là, la première résurrection devait déjà se produire. Comme on est dit dans Jean chapitre 5, verset 24. Je vais encore relire ça. Dans ce livre de Jean, chapitre 5, il y a deux résurrections.
On parle de deux résurrections. La première, c'est celle, là on dit, en vérité, je vous le dis, c'est celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement. Or, nous avons déjà le juge suprême qui est descendu. Donc, quand le juge suprême descend, celui qui avait cru en Jésus ne vient pas au jugement. Il faut vraiment dire que l'épouse n'est pas jugée, mais l'épouse, c'est elle qui juge. Donc, s'il est descendu comme le juge suprême, il ne peut pas être seul. Parce que 1 Corinthiens chapitre 6, c'est « Ne savez-vous pas que les saints jugeront la terre ?» Donc, il n'y a pas deux venus de juge. Le juge suprême qui est descendu là-bas, c'est le dernier. N'attendez plus un autre juge. S'il descend, il va s'asseoir sur quel trône? Parce que le trône, il n'y en avait que trois. Au ciel, en Jésus, et puis dans l'homme. Point. Première résurrection. Maintenant, au verset 25. Il dit ceci, la Bible dit ceci. En fait, tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Attends, yeah. Comme ils honorent le Père, comme ils honorent le Père, celui qui n'honore pas le Fils, n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. 25. En vérité, je vous le dis. Même la Bible, dans la Bible ici, on a écrit les deux résurrections. Je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue. L'heure vient, elle est déjà venue. Quand où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même, et il lui a donné le pouvoir de juger. Parce qu'il est fils de l'homme. Il dit, ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Maintenant, nous avons le juge suprême qui est descendu depuis 1965. Alors, si vous laissez les autres morts, nous, nous sommes l'épouse. Hein? Nous sommes l'épouse. L'épouse ne passe pas en jugement. Mais le juge suprême est venu. Si les autres morts ne ressuscitent pas, il va juger qui? Puisqu'il y a que nous, les autres sont morts, il juge qui? Il juge tous les vivants. Le frère Madame dit ceci, dans la prédication Dieu qui est riche en miséricorde. Il dit, je voudrais vous faire remarquer ici, le prophète, ou plutôt l'apôtre Paul, ce qu'il dit là, il dit, il vous a rendu à la vie, vous qui étiez autrefois morts. Il vous a rendu à la vie, vous qui étiez autrefois morts, morts par votre péché et par vos offenses, marchant selon les trains de ce monde, les désirs de la chair, et accomplissant les désirs de nos pensées. Qu'est-ce qui a causé ce changement? Voyez, qu'est-ce qui a causé cela? Qu'à un moment donné, nous étions morts pour être ensuite vivifiés. Vivifiés, ça veut dire rendu à la vie. Quand le frère a prêché le lever du soleil, le sous-titre c'est The Quickening Power. The Quickening Power c'est, en français c'est quoi? C'est quoi en français? La puissance vivifiante. Quand le soleil arrive, le soleil provoque une résurrection. Il dit ceci. Il dit, il y a eu un changement de la mort à la vie. Il n'y a rien qui puisse arriver à une personne qui soit plus glorieux
que de passer de la mort à la vie. Donc, il n'y a rien de plus glorieux qui peut arriver à un être humain que de passer de la mort à la vie. Frère, même si nous ouvrons les tombes, on enlève ces gens-là, ça ne sera pas glorieux, frère. Ce qui est plus glorieux, c'est déjà passé. Amen. Pour commencer, le monsieur là est créé par le moyen du serpent. Le monsieur de la chair, il n'a jamais été dans la pensée de Dieu. Dans le programme de Dieu, le monsieur de la chair n'existe pas. C'est lui qui existe, c'est lui qui a été créé dans la pensée de Dieu. Amen. Il n'y a rien, il n'y a rien qui puisse arriver à une personne qui soit plus glorieux que de passer de la mort à la vie. Un homme, s'il était mourant physiquement et qu'il soit guéri physiquement, ce serait quelque chose de glorieux, mais il ne peut rien lui arriver de plus glorieux que d'avoir été mort spirituellement et que Dieu le rendit à la vie. Amen. C'est ça la première résurrection, frère. Quand on arrive là, la résurrection est déjà passée. Ceux qui attendent que le tombe puisse s'ouvrir, là maintenant il faut regarder dans le quatrième saut. Pas dans le septième saut. Dans le septième saut, la résurrection n'existe pas. Il continue ici. Vous étiez à un moment donné, autrefois mort. Vous étiez mort. Et même bien des gens ici ce soir. À un moment donné, vous pouvez regarder en arrière et reconnaître que vous étiez mort. Mais maintenant, comment se fait-il que vous ne soyez pas mort ce soir? Comment ça se fait que vous n'êtes plus mort? Est-ce que vous êtes mort? Non. Comment est-ce que moi je vais mourir parce que là, je l'ai dit, c'est déjà passé. Voilà. Parce que la mort était du premier au sixième âge. Même les gens de l'Odyssée ne sont pas morts, frère. Et moi, dans la pierre de fête, je vais mourir comment? Non, frère, mais toi, tu tombes malade, tu dis que tu vas mourir. Est-ce qu'on vous a dit que c'est ça la mort? Retourner à la poussière, oui, je vais retourner. Mais mourir, non. Je ne mourrai plus. Parce que Jésus a dit qu'on ne mourra plus. La chose la plus glorieuse est déjà venue en moi. Je suis déjà passé de la dénomination à la parole. Amen. Frère Branham dit que le diable nous a fait peur avec son mensonge. Il vient nous présenter les cercueils comme la mort. Non. Et puis la mort, là, c'est une loi. Dieu a établi cette loi-là comme ça. Frère, si les gens ne meurent pas, mais il y aura combien de gens dans la rue, frère? Regarde, les gens meurent tous les jours, mais regarde comment les gens sont remplis sur la terre. Pour Dieu, c'est un système de remplacement. Parce que dans un match de football, on ne peut pas faire jouer deux joueurs à la fois. C'est 11. Si vous voulez remplacer un joueur, l'autre doit sortir. C'est ça le monde, frère. On ne peut pas. Vous voyez, quand vous voyez le bébé qui est né là-bas, quelque part, quelqu'un mort. Donc le bébé là a remplacé quelqu'un. Et puis le bébé là a fait passation de pouvoir avec sa grand-mère. Lorsque la maman est prise et partie, le bébé est venu. Remplaçante. Il y a un papa qui m'avait dit, quand j'étais jeune, il m'a dit, quand tu vas commencer à avoir des enfants, sache que tu es déjà remplacé. Donc tes enfants sont venus te remplacer. Ouais. Comme nos parents ont remplacé nos grands-parents. Ouais. Aujourd'hui, mes grands-parents ne sont plus là, mes parents sont là. Ouais. Et aujourd'hui, nous, nos enfants sont en train de grandir. À bientôt, nos enfants vont se marier. Nous serons des grands-parents. Ouais. Et nos parents vont partir. Ouais. Il y a de ceux-là qui ont déjà perdu les parents. Ouais. Donc c'est le livre qui s'est fait. Donc, c'est quelque chose de normal. Il n'y a aucune malédiction dans ça. Dans la dénomination, on dit que frère, l'esprit est mort, frère. Ah, oui, frère, madame dit qu'il y a la mort prématurée. Il y a la mort prématurée. Mais moi, en tant qu'enfant de Dieu, amen, en tant que Dieu moi-même, mais qui va m'enlever prématurément de cette terre? Parce que cette terre m'a été donnée. C'est ça. Je possède la terre, frère. Amen. La maladie est faible devant moi. Il faut seulement prendre conscience, frère. Amen. Là, il y a un pasteur à Kigali, le pasteur Kumbi. J'ai vu ça dernièrement sur Facebook. Il souffrait du cancer de prostate, je ne savais pas.
Et ils ont fait une réunion de comment d'action de grâce. Il est guéri complètement, frère. Il a déclaré, frère, le cancer de prostate a emporté mon bout, frère. Un homme qui avait beaucoup d'argent. Ça ne guérit pas, frère. Mais lui, il est guéri en bonne santé. Les médecins ont fait des tests comme ça, c'est bon. Et les gars voulaient l'amener, l'enlever de cette terre prématurément. Mais c'est l'enfant de Dieu. Donc, si comme je suis moi-même Dieu, voilà. Je détiens toute la puissance. Oui. C'est-à-dire, la mort prématurée, chez moi, ça n'existait pas. Amen. Donc, si je quitte cette terre, c'est la loi de Dieu qui s'accomplit. C'est une bénédiction, frère. Amen. Il n'y a aucune malédiction. Le Dieu ne vous fait peur pour rien, frère. Oh. Il vous fait peur. Frère, on a mis des serviteurs de feu. Il a, dans la première saut, il avait l'arc sans flèche. Il fait ça. Bon, tout à l'heure, flèche est en mode. Tirez. Mais tire. Oh, il fait ça. Je vais te tuer. Je vais te tuer. Oh, les gens ont dit. C'est comme un monsieur. La peur, c'est une malédiction. Un voleur, vous savez en Afrique, le voleur visite les gens dans les maisons. Le voleur est entré comme ça. Le monsieur, il voit le voleur. Mais je vais l'attraper. Frère, on n'attrape pas le voleur, il va te tuer. Le voleur ouvre la maison. Quand le voleur ouvre la maison comme ça, le monsieur dit, ah voleur! Le voleur avait sa machette. Frère, la machette venait comme ça. Comme ça. Comme ça. Quand la machette est arrivée ici, la machette a tourné. Gifle la machette. C'est quand t'es né, moi. Yeah! Ah! Mais qu'est-ce qu'il y a? Donc, le fils a dit que ce film a été parti. Mais qu'est-ce qu'il y a? Emmène-moi à l'hôpital. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a? Ah, non, ça... Le voleur est parti. Dans sa pensée, il pensait qu'il allait s'accouler. Oh, on dit, mais qu'est-ce qu'il dit? Ah, vous ne voyez pas? Non, je ne peux pas aller à l'hôpital. On a insisté, on a levé ses mains. Oh, lui, il est comme ça. Il n'y a pas de sang. Oh, c'était la gifle de la machette. Il a eu peur pour mieux faire. C'est ça que le diable fait. Enfin, le diable, enfin, après l'ouverture de son, le diable n'est rien. Moi, quand même quand je suis seul, il y a des fois, ça m'arrive de parler. Je dis, laisse tomber. Même la maladie, laisse tomber, tu ne vas rien faire. Parce que c'est la promesse de Dieu qui va s'accomplir. Et si Dieu décide, frère Madame dit que si Dieu décide que tu vas mourir, il n'y a pas assez de médicaments dans la pharmacie pour te garder en vie. Et si Dieu décide que tu vas rester en vie, le frère Madame dit, il n'y a pas assez de démons en enfer pour te faire partir. Frère, la peur sort d'où. Frère Madame dit, la chose qui tue les gens, c'est la peur. Et aujourd'hui, frère, les gens ont peur des promesses de Dieu. Comme les disciples ont vu Jésus marcher sur les eaux. Ils ont croisé crier. Ils ont dit, ah, c'est un fantôme. Et pourtant, lui, il est le Dieu puissant. Et il le connaissait tous. Mais lorsque la promesse s'accomplit, on appelle ça fausse doctrine. Jésus a eu les mêmes promesses, frère. La promesse qui était dans l'Ancien Testament, il les lisait tous les jours dans leur Bible. Les messies viendront. Il ne vient se conserver. Mais quand la Vierge avait conçu, oh, on a dit que la Vierge, c'est Marie. Oh non, c'est pas elle. Donc d'après vous, la Vierge devait être comment? Oh, Marie, c'était une fille ordinaire, non connue. Frère Balaam dit que la majorité des gens d'Israël ne savaient même pas que le Messie était déjà là et il était déjà parti. Et aujourd'hui, l'histoire se répète, frère. Les magnocotistes attendent Jésus. Vous aussi, dans le message, vous attendez Jésus. Mais vous croyez quel message? Après toi, tu vas dire au pentecôtiste, mon prophète, il est le précurseur de la seconde venue de Jésus. Dis, oh, mais il est où? Ton prophète, depuis 1967, il est parti. Mais ton Jésus n'arrive toujours pas. Dieu m'a compris. Amen. Frère, madame de Jésus, à un moment donné, vous pouvez regarder en arrière et reconnaître que vous étiez mort. Amen. Mais maintenant, comment se fait-il que vous voyez pas la mort ce soir? Que vous ne soyez pas mort ce soir? Comme vous l'étiez à ce moment-là, c'est dans cet état-là que vous méritez d'être. Parce que vous étiez un pécheur.
Mais Dieu qui est riche en miséricorde, c'est là le point. Dieu qui est riche en miséricorde, tout ce que nous étions là, mais Dieu, voilà précisément ce qui a opéré les changements. Dieu qui est riche en miséricorde. Voilà la flèche là. Voilà Dieu. Ok. I've got it. Oh, je suis content de ça. Qu'il soit riche en miséricorde. S'il était seulement riche en argent, s'il était seulement riche en biens matériels, et il l'est effectivement. Amen. Amen. Dieu n'est pas seulement riche en miséricorde, il est aussi riche en biens matériels. On doit prospérer à tous égards. Ah, frère, l'argent, ça donne quand même une paix. Quand vous n'avez pas l'argent, ça met mal à l'aise. Non, les enfants de Dieu ne doivent pas être pauvres, frère. Même si Lazare était pauvre, bon, c'était son choix. C'est ça. Parce que Joseph d'Arimathée, il était riche. Non? C'est lui qui a offert le sépulcre au Seigneur. Nous avons besoin de Joseph d'Arimathée qui va offrir le sépulcre au Seigneur. L'œuvre que nous faisons, nous avons besoin de soutien. Amen. Frère Branham dit, il n'est pas simplement riche en argent. Il dit, bien qu'il l'est. Amen. Donc si nous servons le Dieu vivant, si nous sommes nous-mêmes des dieux, c'est que nous avons la puissance créatrice. Amen. Nous avons la puissance créatrice. Moi, j'ai vu, j'ai compris une chose. J'ai beaucoup parlé avec le frère Lundu. Lui, il est expert en ça. La pauvreté, c'est une volonté. La richesse aussi, c'est une volonté. Si tu mets ta pensée, frère, la loi de la reproduction, tu prends un grain de maïs, tu plantes. Après quelques temps, tu en auras plus de 10. Tu prends les 10, tu plantes. Après quelques temps, plus de 20. Ainsi de suite. Donc, tu ne feras que progresser, progresser, progresser. C'est ça. Il y a des gens qui prêchent le business comme la prédication. Et les gens payent l'argent pour aller écouter ça. Et ils deviennent en fait riches. Tout le monde peut devenir riche. Seulement qu'on n'y met pas la pensée. Amen. Nous croyons à ça. Frère Benoît a prêché les investissements. C'est très important. Les enfants ils doivent être riches. Amen. Comme ça va créer beaucoup de jeunes. Ah, vous voyez les choses qu'ils croyaient. Mm-hmm. Regarde l'argent qu'ils ont maintenant. Ah, vous voyez, c'est la magie. Oui, nous sommes des vrais magiciens. Amen. Parce que Jésus, c'est le plus grand magicien du monde. Yes. Pourquoi pas acheter des jets privés? Why not? Non, les frères, il y a un jet privé. Why not? Et avocat. Vous ne voyez pas notre parking comment il est garni? Même un plat qui arrive là, il nous respecte. Il regarde notre parking, il dit, oh mais il y a quoi ici? Non, il y a la réunion avec Dieu. Nous sommes dans la conférence avec Dieu. Amen. Moi, mon frère, moi je veux que le parking là puisse être garni de belles voitures. Priez aussi pour moi pour que je puisse. Amen. Écoutez, s'il était seulement riche en biens matériels, et il l'est effectivement, mais malgré tout, ce qui est le plus glorieux, c'est qu'il soit riche en miséricorde. Oh, quelle parole remarquable que celle-là. Nous étions autrefois morts. Là, le frère Barnabé explique Jean 5. Mort veut dire séparé. Frère, ça c'est la définition du frère Barnabé. Mort, ça ne veut pas dire entrer dans les cercueils. Mort, ça veut dire séparé. Maintenant, si l'un de vous, si quelqu'un de votre famille mourait ou quelque chose, il l'est, s'ils sont convertis, ils ne sont pas morts. Mmh. Au point de vue humain, ils sont morts. Mais nous ne sommes pas des humains. Amen. Nous sommes de la divinité, frère. Amen. Nous comprenons les choses de Dieu comme Dieu lui-même. Moi, je prends les définitions de Dieu. C'est ça la grande confusion aujourd'hui. Les gens sont venus dans les messages comme les humains. Non, les messages, ce n'est pas pour les humains, frère. Les messages, c'est pour les dieux. La Bible dit qu'il a fait de nous des dieux. Amen. Donc, comment est-ce que nous sommes des dieux? Parce que lui-même, Dieu, vient habiter en nous. Il fait de nous lui. La plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Amen. Écoutez. Au point de vue humain, ils sont morts. Mais ils sont seulement séparés de nous. Mais ils sont dans la présence de Dieu.
ils ne sont pas morts et ils ne peuvent pas mourir. Et frère Branham dit, il est impossible qu'il meure. Oh, frère Branham est mort. On vous a dit que le frère Branham est mort. Le frère Branham est vivant, frère. Oh, mais il est où? Ah, l'homme là, tu parles comme un humain. En tant que Dieu, les frères ne peuvent pas mourir. Mais ils sont seulement séparés de lui. Ils ne sont pas morts et ils ne peuvent pas mourir. Il est impossible qu'ils meurent. Jésus a dit, celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement. Mais il est passé de la mort à la vie. Donc, il ne peut pas mourir. Tout ce qui est immortel, éternel, ne peut pas périr. C'est une vie impérissable. Il le possède parce que Dieu la lui a donnée. Pas d'une façon méritoire, c'est inconditionnel. Dieu la lui donne. Frère, bon, oui, nous croyons ça. Nous croyons ça, oui, frère, bon, oui, mais il y aura sur la résurrection. Mais le frère Balaam dit, il n'y a rien de glorieux qui peut arriver à quelqu'un si il ne passe pas de la mort à la vie. Donc, c'est-à-dire que si moi je passe déjà de la mort à la vie, la résurrection et l'ouverture des tombes, que cela puisse avoir lieu ou pas, ça ce n'est pas mon problème. Puisque ce n'est pas glorieux, je n'attends pas ça. Moi j'ai déjà pris, j'ai déjà reçu la chose glorieuse. Je suis déjà passé de la mort à la vie. Comme nous marchons ici, frère, nous sommes déjà des vainqueurs. Amen. Et ce qui est encore, ce qui est encore, comment, dur à avaler, nous ne sommes pas simplement résistés de mort, mais nous sommes maintenant les donateurs de la vie éternelle, frère. Amen. Amen. Les gens ont dit à Jésus, oh, mais qui est-il à se les pardonner les péchés? Frère, nous, nous sommes là, nous pouvons pardonner les péchés. Amen. Quand on dit que les saints jugeront la terre, mais tu ne peux pas juger la terre sans l'autorité. Amen. Et l'autorité de Dieu, c'est Dieu lui-même dans l'homme. Amen. Et quand Dieu vient, nous sommes autorisés, nous avons l'autorité de juger. Amen. Et vous allez voir que quand nous arrivons maintenant au deuxième jugement, l'épouse est assise là. Il dit, bon, toi, tu as été gentil avec moi, passe de ce côté. Et le frère m'a dit que c'est l'épouse qui le fait. Amen. Je vais arriver jusque là, frère. Amen. C'est l'exposé de Satan, j'ai dans la de ça. Frère, quand j'ai lisé ça, j'ai commencé à sauter, frère. Le frère Branham a classé sa traîne. Il dit, remarquez que l'épouse est assise avec lui. C'est elle qui dit, passez de ce côté. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. J'étais dans la prison, vous êtes venu me voir. Entrez dans la gloire de votre maître. Donc, c'est l'épouse qui décide. Donc, comme nous sommes en train de marcher aujourd'hui, nous sommes les décideurs, frère. Amen. Et si tu n'as pas été gentil avec moi, frère, à la molécule, oh, frère, direct que tu es parti. Frère, ça, c'est le moment glorieux, frère. C'est l'état glorieux, frère. Vous voyez, je dis que le frère Bonhomme dit que les choses de Dieu, ce ne sont pas des événements. Amen. Même le jugement du trône de Dieu, ce n'est pas un événement, frère. C'est quelque chose qui se passe à l'Assemblée. Vous allez voir un petit groupe qui est là-bas, qui sont ces gens-là? Il y a un frère qui dit, les églises des Africains, tout ça, moi j'aime l'église orientale. Enfin, ça n'a rien à voir, frère. Dans l'église de Noé, il y avait que lui et sa famille. Dieu n'était pas là. Vous pensez que si Dieu vient, s'il y a quelqu'un de mort, Dieu va sortir? Hein? Tous nos voisins, ils savent qu'il y a une église. S'ils ne viennent pas nous faire, on les a déjà jugés. Ouais. Mais nous avons donné la vie à Peter. Amen. Amen. Peter, c'est quelqu'un que Dieu nous a envoyé. Les frères peuvent connaître l'histoire. Donc, Peter, c'est Dieu qui a touché son cœur. Il avait refusé catégoriquement. Il dit, si vous venez pour les histoires des églises, je ne donne plus la salle. J'ai décidé de ne plus donner. Moi, j'ai dit, ah, donne-nous quand même, ne fais-ce qu'un dimanche. Il dit, bon, pour un dimanche, ça va. Ok, venez par la clé, on prend la clé. On remet, on passe deux dimanches, trois dimanches, on revient encore, un dimanche encore. Il dit, ok, vous prenez. On passe une semaine, deux semaines, on revient encore. Un dimanche, il nous donne la clé. Le dimanche qui est suivi, dimanche encore. Il dit, mais ça devait être le dimanche ou quoi? Il dit, bon. Je vois que tu utilises la salle tous les dimanches. Bon, garde ces manacles. Vous voyez, étape par étape. Mais il était catégorique au commencement.
Moi j'ai dit au frère, le monsieur malgré qu'il a refusé, j'étais avec frère Pedro, on était avec toi. Mais le monsieur malgré qu'il a refusé, mais je sens dans mon cœur qu'on va prendre la salle. On est venu sur la visite, la salle m'a dit non, dans mon cœur on va prendre la salle, on va prendre ça. Aujourd'hui nous avons la clé. J'ouvre, je ferme. Plus tard. Plus tard, cet endroit, ça sera pour nous. Rien n'est impossible à celui qui croit. Et moi, je ne crois pas. Mais moi, je suis moi-même Dieu. Donc, je crois à ma propre parole. Cette salle nous appartiendra. Parce que quand on avait affronté Peter, on ne savait pas que Peter allait nous donner la clé un jour. Dieu nous a surpris. Et nous croyons que cet endroit nous appartient. Nous restons dans la vérité de la parole, frère. Que Dieu soit béni. Écoutez ceci. Et puis quand ils disent, les tombes vont s'ouvrir. Hein? Frère, les tombes vont s'ouvrir. Le frère Baron nous donne la réponse. Comment les tombes vont-elles s'ouvrir alors que je n'ai pas l'état de l'approfondir comme j'aurais voulu? Il faut que j'en parle. Vous voyez, juste pour vous faire voir la simplicité de Dieu. Amen. Et ce calcium, cette potasse et tout, alors que tout ce qu'il y a en vous comme matériau, ça ne donne qu'une cuillère. C'est vrai. Et ce qui arrive, c'est que ça redevient quoi? Esprit et vie. Dieu n'a qu'à parler, pardon, et l'enlèvement va se faire. Il n'est pas question d'aller là-bas et que les anges descendent avec leur pelle pour ouvrir les tombes. En faire sortir quelques vieux cadavres. Là. Qu'est-ce? Tout ça, c'est né du péché pour commencer. Mais ça sera un nouveau semblable à celui-là. Vous savez, vous voyez? Si nous avions celui-ci, nous mourrions encore. Enfin, moi, je ne vais pas rester avec ça. Pour mourir encore? Non. C'est-à-dire, si nous ressuscitons avec ce corps, la résurrection que les gens attendent, si les gens la ressuscitent, ils vont encore mourir. Voilà pourquoi David et les autres ne sont plus morts, parce qu'ils n'étaient pas ressuscités avec ce corps. C'est-à-dire, Michael Jackson nous a menti. On a tellement suivi les clips de Michael que les tombes sont en train de souffrir. Quoi. Et puis ils sont en train de sortir comme ça. En sortant, vous avez commencé à danser. Oui. Et les gens ont pris ça dans leur pensée, pour eux, c'est ça la résurrection. Amen. Frère, maintenant, frère, là, quand les gens vont résister, frère, moi, je verrai mon père. Mais ton père est déjà là, tu commences que tu ne le vois pas. Si le monsieur du parc, avec le parc noir, a été connu par une voiture, parce qu'un esprit ne sera pas connu par une voiture, non. C'était quelqu'un de physique. Mais en même temps, il disparaît. Vous allez expliquer ça comme ça, moi je ne sais pas. Mais il a été connu par une voiture. Oh, comme il était déjà mort, il n'est plus mourir. Mais il y a la seconde mort, l'âme qui pèse, c'est l'âme qui mourra. C'est ce que nous appelons le néantissement. Les âmes anéanties. Écoutez. Si vous, il dit, tout ça c'est le péché. Il dit, si nous avions celui-ci, nous mourrions encore. Voyez, les tombes vont s'ouvrir. Oui, les morts s'en sortiront. Écoutez, ça peut être vrai, mais elles ne s'ouvriront pas dans le sens que vous dites ouvrir. C'est ça. Or, nous, dans notre pensée, ouvrir, c'est on enlève les dalles. Les dalles, pardon. Et ils sont sortis. Or, le frère Bernard dit que oui, les tombes vont s'ouvrir, mais pas de la manière dont nous pensons. Donc, maintenant, les tombes sont déjà ouvertes. Mais pas de la manière dont nous pensons. Nous avons compris que la résurrection, la première résurrection, devait se produire dans l'âge de l'Odyssée. Et nous sommes déjà dans la pierre de fête. Cela veut dire tout ce qui a été promesse comme promesse dans l'âge de l'Odyssée, c'est du passé. Amen. Donc l'enlèvement, la résurrection, c'est du passé. Donc nous, comme nous sommes là, nous sommes déjà ressuscités. Comme j'ai dit la fois passée pour Frère Bossoff. Frère Bossoff, quel est le temps le plus glorieux? Il dit c'est maintenant. Il dit, frère Bozo, est-ce que tu sais que tu es en train de mourir? Il dit, frère, madame, je ne peux plus mourir. Il dit, comment? Il dit, je suis mort il y a de cela beaucoup d'années.
Il dit, mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Il dit, je suis un vieux, un jeune homme qui vit dans une vieille maison. Je vais simplement déménager. Un croyant ne meurt pas. Un croyant déménage. Tu quittes cette maison pour entrer dans une autre maison. Pour Frère Bosov, la mort était déjà du passé. Et la résurrection, c'était déjà du passé. Il dit, j'étais déjà mort et je suis déjà ressuscité à plusieurs années. Il dit, quand? Il dit, c'est lorsque Jésus m'avait racheté. Pour Dieu, c'est ça, la résurrection. Et puis, quand c'est comme ça, c'est fini. C'est pour que cela, le frère Branham dit que si votre corps, chaque fibre de votre corps est traversée par le Saint-Esprit, vous êtes déjà enlevé. Il dit, non pas que vous le serez, vous l'êtes dès maintenant. Parce que si le frère Branham s'arrêtait, le frère dit, oh, oui, frère, oui, bon, je sais, je suis arrivé, mais je serai encore. Le frère Branham met une barrière, il dit, non pas que vous le serez. Comme je parlais un jour avec un pasteur, je lui donne ça. Il regarde comme ça, il tourne. Il se regarde comme ça. Moi je dis, oh, mais pasteur, dis-moi, est-ce que tu crois dans l'enlèvement? Tu crois ça? Il dit, non, oui, je crois. Bon, donc, tu crois que tu es enlevé? Il dit, bon, le frère Branham a dit que je suis enlevé. Bon, je suis enlevé, mais je serai encore enlevé. Moi je dis, non, le frère Branham dit, non, pas que vous le serez. Vous l'êtes maintenant. C'est quoi l'enlèvement? Assis dans les lieux célestes en Christ. Éphésiens chapitre 2, Paul a dit ça. Maintenant, il nous a ressuscité et il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Christ. C'est ça la véritable résurrection. Les temps vont s'ouvrir, mais pas de la manière dont nous pensons. C'est vrai, vous voyez, ça ne se passera pas de cette manière-là. Ce sera un secret. Parce qu'il a dit qu'il vient comme un voleur dans la nuit. Amen. Donc la résurrection se passe dans la nuit. Et la nuit, c'est la colonne de feu. Amen. Quand vous voyez la nuée de gloire, cela veut dire que la nuit a déjà pris fin. Parce que la nuit, c'était la colonne de feu. La journée, c'était la nuée. Bon, vous êtes dans la nuée. On vous dit shalom. Frère Branham vous dit que c'est le lever du soleil. Vous voulez amener la promesse de la nuit dans le lever du soleil. Et t'as dit nous. Amen. Ça, c'est votre problème. Si on peut simplement comprendre la dispensation, c'est facile. Et moi là, je suis comme Moïse. Vraiment, je nage à contre-courant. Je peux caresser n'importe qui dans le sens contraire du poil. Moïse qui allait en Égypte là-bas, Moïse, tu vas lui dire, je vais en guerre. Oh, tu vas en guerre, lui, avec ta famille. C'est la seule personne que j'ai vue qui part en guerre avec sa famille. Les petits enfants. Donc moi, je vais pas que mes enfants, ma femme et les enfants, nous allons faire la guerre. Frère, Dieu est bizarre. Le conseil pouvait venir Moïse. Frère Moïse, nous comprenons que oui, Dieu t'a dit. Mais laisse quand même les enfants. Frère Moïse dit non, jamais mes enfants avec moi. Il dit, oh, à la guerre. Oh, lui, quand il allait là-bas, il était déjà vainqueur. Donc il n'avait pas à boxer. Il était là, il était en train de prononcer la parole. Dieu ne frère Branham dit que si. Pharaon avait compris que la puissance de Moïse était dans les bâtons. Là, il s'est mal arraché les bâtons. Les bâtons qui les représentaient, un bâton mort. Et dans ces bâtons, il y avait Dieu, frère. C'est avec les bâtons que Moïse faisait le miracle. Il prend le bâton avec la main où j'ai fait ça. Bam, ça s'ouvre. C'est le bâton qui est devenu un serpent. C'est avec le bâton qui a touché de l'autre qui est devenu du sang. Seul bâton. Un homme comme Moïse, qui pouvait le convaincre de laisser ce qu'il croyait, frère. Et aujourd'hui, moi, j'ai rencontré Dieu dans une conférence. Il me dit des choses comme ça, frère. Moi, je vais laisser ça. Pour venir me dire, vous dire que, frère, nous serons à l'enlèvement. Ça, non, frère. Un frère m'a dit, oh frère, donc quand l'enlèvement aura lieu, toi, tu n'iras pas. Moi, je dis, non, je n'irai pas. Allez pour vous. Non, moi, je n'irai pas. Ah, frère, tu n'iras pas à l'enlèvement. Non, vas-y. Mais pourquoi m'a dit l'enlèvement c'était la promesse de la nuit? Moi je suis déjà dans l'élevé du soleil. Amen. Toi tu veux me parler de quelle résurrection pendant que moi je suis déjà ressuscité. Amen. C'est comme si c'était en Europe, tu veux me dire que frère, je vais prier pour toi, tu vas aller en Europe. Oh. Oh, je suis déjà en Europe, frère. Dans les rêves. Il y a des prières que nous on ne fait plus. Comme quoi, frère, réunion de prière pour le bâton Nicolas, pardon ma soeur, une réunion de prière pour les gens qui n'ont pas de séjour.
Une réunion de prière comme ça, moi je m'en vais à la maison, je vais dormir. Ça ne me regarde pas, frère. Oui. Vous me parlez de la résurrection, moi je vais dormir, frère. Amen. Je suis déjà ressuscité quand je vais. Frère, nous allons gêner. Gêner combien de trucs, c'est 14 jours, frère. De randonnée. Gêner 14 jours, frère. Nous gênons pour la. Comment pour l'enlèvement, frère. Jésus vient bientôt. Oh, ça c'est une fausse doctrine, frère. Laissez les gens manger. Hein? Les promesses déjà passées. Le problème, c'est que les gens ne reconnaissent pas les jours, frère. Ça, c'est un problème, frère. Les disciples avaient compris. Les disciples aussi, ils attendaient le Messie. Quand ils étaient avec Jésus, ils pensaient que c'était un simple homme. Mais quand ils sont arrivés là, ils ont vu la nuée de gloire. Ils disent, oh, la nuée. Il dit, mais, maître, si il y a la nuée comme ça, mais c'est que toi, tu es le Messie. Jésus dit, je le suis. Il dit, mais si tu es le Messie, mais où est le précurseur? Il dit, mais il est venu, mais bon, personne ne l'a écouté. La Bible dit, ah, ils ont compris que c'était Jean. Tout net. C'est comme les soldats romains à la croix. Quand Jésus a crié, Frère Branham dit que les soldats romains a vu Jésus. Il dit que c'est vrai que cet homme était le fils de Dieu. Et le Frère Branham dit, it was too late for him. Il y a des gens aujourd'hui qui peuvent reconnaître le message too late, frère. C'est maintenant qu'il faut prendre la parole. Plus tard, les gens comprendront, frère, c'est nous prêchons. Et aujourd'hui, les enfants que vous voyez, vous n'allez pas leur prêcher les choses que nous avons prêchées là-bas en Égypte. Non. Non. Les enfants là, quand tu vas leur dire l'enlèvement, et les enfants là connaissent l'enlèvement. N'est-ce pas, frère Israël? Les frères Israël, là, vous voyez, connaissent l'enlèvement. Mais ces chansons-là dépassent beaucoup les chansons des frères et des messagers. Il faut que tu le chantes encore une chanson. Hein? You have to sing again. Vous avez déjà écouté ces chansons? Allez sur YouTube et Israël Mekaka. Nous avons notre livre, il faut quoi nous? L'enfant que tu vois, l'enfant la chante le maudit, frère. Ah, quand j'écoutais l'enfant, moi je me dis, c'était chanson ou bien quelqu'un a composé? Il dit non, c'est moi qui compose. Et à chaque fois que nous prêchons ici, il prend des notes, il compose des chansons. Voilà. Frère, ça c'est un don. Voilà. Un livre Foucault moderne. Hein? Voilà, ils sont God bless you. Keep going. So I invite you, all of you, go subscribe yourself in his YouTube. Give him some views. Amen. J'aime quand les jeunes sont intéressés. Écoutez, ça il nous l'a déjà dit, l'enlèvement, ensuite les jugements s'abattront. Les péchés, les fléaux, la maladie et tout. Et les gens chercheront la mort à grand cri. Quand viendra quoi? Les jugements. Seigneur, pourquoi ces jugements sur nous alors que tu as dit qu'il y aurait d'abord un enlèvement? Il dira, il est déjà passé. Amen. Et vous ne vous en êtes pas aperçu. Pourquoi? Parce que pour un enlèvement, c'était un grand événement. Frère Madame dit, après l'enlèvement, les gens vont continuer à aller à l'église, ils vont continuer à prêcher, faire des campagnes, tout ça va continuer comme si rien n'était. Et on va leur dire que cela a déjà eu lieu. Maintenant, quand on arrive devant les gens là, les frères, vous dites quoi? Moi, j'ai l'enlèvement déjà eu lieu. Il faut voir comment les gens crient. Ah, frère, c'est lequel autre? Mais le frère Branham nous a dit ça. Que les gens vont demander l'enlèvement, on leur dirait que c'est déjà dépassé. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Amen. Mais si on ne dit pas, qui va le dire? Vous pensez qui va le dire? C'est là où les gens ont été confus. Ils ont pensé que l'épouse va partir, la terre va rester vide. Non, nous, l'épouse, on est là. On est parti, mais on est là. Femme, on est comme le fils de l'homme qui est au ciel pendant qu'il était sur la terre. Et le ciel, ce n'est pas un voyage de bas en haut. Le ciel, c'est une dimension. Femme, on dit que vous êtes des êtres doublés. Un de la terre pour mourir et un du ciel pour vivre éternellement. Amen. Deux personnes connectées. Double being. Je suis un homme, un être double. Et puis, quand la personne qui parle ici, ce n'est pas la personne de la chair. Il est connecté à celui de l'esprit. Celui-là qui ne meurt pas. Mais celui-ci qui va mourir. L'enlèvement, c'est bien du passé, vous n'êtes pas perçu. Doit Dieu cacher dans la simplicité. Oh là là, bien tout ça est déjà passé. Et vous ne vous en êtes pas aperçu. C'est ça le problème. Le problème avec Dieu, ah non,
J'aime le frère Branham. Parce que le frère Branham nous a montré la simplicité de Dieu. Enfin, les choses comme ça dans les églises pentecôtistes, vous ne les verrez jamais. Parce que dans les églises pentecôtistes, la façon dont il représente l'enlèvement, frère, il les représente comme un grand événement. Mais la Bible est là pour nous enseigner. Si vous voulez comprendre les choses de Dieu, lisez la Bible. Lisez d'abord les premiers événements. Frère, la façon dont les gens attendent les événements, c'est comme ça aussi que les Juifs attendaient le Messie. Et pour les Juifs, votre enlèvement est moins glorieux que la venue du Messie qu'ils attendaient. Pour les Juifs, ils étaient en train d'attendre la dissolution des Romains. Il dit, à chaque fois qu'ils marchaient, ils se disaient, ah, quand le Messie va venir, les Romains, là, ils vont tous disparaître. Et le Messie est venu. Il a fait le travail, il est parti. Et les disciples sur le chemin des monstres tristes. Et le Messie en question est venu. La Bible dit, il est apparu à eux sous une autre forme. Il est en train de marcher avec eux. Il dit, mais pourquoi vous êtes triste? Il dit, quoi, tu es étranger? Oh, tu ne sais pas ce qui s'est passé? Il dit, non, qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais Jésus, c'est lui qui devait être le Messie. Bon, il est venu, il est mort, trois jours, mais là, c'est le troisième jour. Il n'y a rien qui change, on est toujours comme ça. Triste. Jésus dit, oh, mais pourquoi vous êtes là à comprendre ce que les prophètes ont dit? La Bible dit, il a commencé à citer les prophètes, Moïse, Esaïe, tout ça, rien. Il ne comprenait toujours pas. Et les frères Branham dit, c'était le type des âges de l'Église. Et depuis Paul jusqu'à Irénée, c'est Jésus, frère. Quand on dit que nous attendons la venue de Jésus, c'est-à-dire que Jésus était pour lui parti, nous l'attendons. Mais non, frère. Jésus est avec Paul, Jésus est avec Irénée, jusqu'à Branham, Jésus, la colonne de feu était là. Donc, la colonne de feu a apparu au temps de Paul. Dans les âges de l'Église, c'était invisible, mais au temps de la fin, pour montrer que nous sommes à la fin des âges, la colonne de feu a réapparu comme Paul. Et il dit, j'ai prêché exactement comme Paul. Et c'était Jésus. Ils étaient tristes, les disciples. Qu'est-ce qu'il y a? Les frères Branham dit, quand ils sont entrés dans la maison, quand il a fait la chose qu'il faisait quand il était là-bas, avant sa mort, il dit, et leurs yeux s'ouvraient. La chose en question, frère Branham, il a brisé le pain. Il dit que le pain, c'est la parole. Bon, aujourd'hui, nous avons le pain qui est la parole. C'est déjà brisé. Mais vos yeux sont fermés comment, frère? C'est que vous n'êtes pas les disciples. Non. Parce qu'un véritable disciple, quand il voit les signes de discernement des pensées, il voit la guérison que le frère Branham a produit, il voit l'ouverture de la parole, il dit que Jésus est déjà venu. Amen. Comment est-ce que vous attendez Jésus après l'ouverture des sceaux, frère? Qui peut ouvrir les sceaux si ce n'est pas Jésus? Personne n'a reçu le mandat d'ouvrir les sceaux si ce n'est pas Jésus. Amen. Frère Branham dit que les sceaux ont été brisés par l'agneau. Regardez la Bible, frère. La Bible dit que c'est l'agneau qui ouvre la parole. Et quand le frère Branham vient, l'agneau s'incarne en lui, il ouvre la parole. Quand il ouvre la parole, il nous donne à nous. Nous devons maintenant Jésus dans cette tâche pour accomplir un Corinthiens 6. Amen. Et nous attendons jusqu'à ce que nous allons exploser les gens ici. Je finis la lettre. Ils vont exploser. Quand ils diront paix et sûreté. Non, Félix est président. Il est en train de construire déjà les routes. Ah, mais c'est bien. Après, bombe, boum, c'est fini. Quand les Congolais vont commencer à voir la position, c'est là où vous allez être. Oui, oui, oui. Oui. Parce que c'est le pire, non? On a tellement souffert au pays, on voit les routes construites. Ah, ça commence à marcher, frère. C'est à ce moment-là maintenant que ça va exploser, frère. Oui, oui. Frère, il ne reste plus rien à ce monde, frère. Hein? Oh, ça va, mais ça va. Une ruine soudaine. Vous savez, la Bible, quand la Bible donne une promesse, ça finit toujours par s'accomplir. Ouais, ouais. Parce que les bombes sont déjà là. Déjà, Poutine et l'autre là, et Trump, ça ne marche pas. Et le monsieur de Kim Jong. Je ne connais pas bien son nom. C'est Kim Jong. Kim Jong-un. Kim Jong-un. Le monsieur de la Corée là, un têtu le petit là. Et il a ses nucléaires à lui. Tout le monde s'est précipité du Congo. Pourquoi? Pour la matière, pour fabriquer les bombes.
Donc, le Congo est maintenant au centre de toute cette matière-là. L'Iranium, le Congo et le Soudan. Aujourd'hui, si tu touches au Congo, c'est un grand problème. Va pour toi chercher les diamants, les or, mais l'Iranium, on ne touche pas. Parce que c'est la chose qui détient le monde. Or, déjà, Poutine, lui, il n'est pas dans les show-off. Lui, il fait des négociations en bas, il soutient l'Iranium. C'est l'armée la plus puissante du monde. Le roi du Nord, c'est lui qui va exploser. Bientôt, très bientôt. Lui, il négocie pas beaucoup. Hein. Lui, il vient là-bas, on parle. Il dit, si vous ne voulez pas, moi, j'explose. Donc, si Trump ne négociait pas, aujourd'hui, on serait déjà dans les atomes. Non, Trump a compris que ces messieurs-là, c'est un fou. Lui, il négocie pas beaucoup. Il parle pas beaucoup, Poutine. Il est là, il s'assoit. Ok, vous ne voulez pas écouter, d'accord. Nous commençons la guerre mondiale. Là. Quand vous aimez tout la vie, vous venez vite. Lui, il s'en fout. Donc, pourquoi il fait ça? Parce qu'il a déjà l'onction. Oui, oui. Donc, chaque président, même si lui quitte, le président qui viendra aura la même onction. Vous voyez pas, Medvedev était là, il n'a pas trop duré, il est parti. Poutine est revenu. Mm. Je ne sais pas si Poutine là va mourir, mais il est dangereux, le monsieur. Mm. Ma femme n'aime pas Poutine. Il faut l'aimer. Écoutez, il s'attend à toutes ces choses dont il est fait mention dans l'écriture. Et à ce que la lune se couche, le soleil se couche en plein midi. Et à toutes sortes de choses qui vont se passer. Oh, si seulement nous avions. Quand la Bible dit que non, le ciel est le soleil est devenu noir comme du crin. Donc les gens pensent qu'en plein jour comme ça, il va faire noir. Non. Frère Branham dit, ils attendent ça. Il dit, j'ai ici des notes là-dessus. Vous voyez, pour montrer ce sont ces choses. Et de toute façon, nous allons le voir cette semaine. Quand les sources se briseront, vous voyez, alors voilà le moment où c'est déjà passé. Et vous ne vous en êtes pas aperçu. Vous voyez, s'il n'allait pas ainsi, si l'ange du Seigneur veut bien briser ces sceaux, rappelez-vous, c'est scellé par cet mystérieux tonnerre. Et un frère m'a dit, mes frères, vous êtes enlevés comment sans laisser tonnerre. Ça, c'est ma dernière citation. Mais la Bible dit, le frère Branham dit que les sept tonnerres donneront la foi de l'enfant. Moi, je dis, amen. Il dit, mais vous êtes enlevés comment? Moi, je dis, bon, le message du frère Branham, c'est les détails. Les sept tonnerres donneront quoi? La foi. La foi, c'est quoi? La révélation. Les sept tonnerres nous montreront c'est quoi l'enlèvement. Et à l'ouverture des sceaux, on a compris que dans les septièmes sceaux, l'enlèvement n'existe pas. L'enlèvement a eu lieu dans les anges. Lorsqu'on a dit à Jacques, monte ici. Vous voyez le travail des sept tonnerres, c'est ça. Or, eux, ils pensent que quand les sept tonnerres seront là, et puis ça leur donnera les ailes pour s'envoler comme des oiseaux. Or, ça, c'est une fausse compréhension. J'ai fini. Or, c'est comme ça. Cela arrivera. Et ce sera du passé. Ce n'est pas de faire descendre une bande d'anges avec des pelles pour ouvrir les tombes. La Bible a dit que nous serons changés avant même de pouvoir battre les paupières. Juste un clin d'œil et ce sera terminé. Aussi vite que ça, on dira simplement, quelqu'un a disparu. Écoutez, eh bien, j'imagine que si nous cherchons dans le monde entier aujourd'hui, écoutez, on dirait, frère, l'enlèvement, les gens vont disparaître. Le frère Madame, oui, on verra quelqu'un a disparu. Comme Madeleine m'a dit, elle a disparu. Est-ce qu'elle est pendant l'enlèvement? Mais non. Le frère Madame dit, eh bien, j'imagine que si nous cherchons. Non, je recommence ici. Il dit, la Bible a dit que nous serons changés avant même de pouvoir battre les paupières. Il dit, juste un clin d'œil. Et ce sera terminé aussi vite que ça. On dira simplement quelqu'un a disparu. Ok? Et les femmes ont dit, eh bien, j'imagine que si nous cherchons dans le monde entier aujourd'hui, nous verrions qu'il y a 500 personnes qui disparaissent de la terre tous les jours. Même la disparition, ce n'est pas l'avenir que nous pensons. Ça dit, les femmes ont dit, si nous vérifions 500 personnes disparaissent, allez voir les missing. Est-ce que c'est l'enlèvement? Non. La disparition, là, c'est ce que nous appelons la disparition, c'est pas ça. Le frère Branham dit que comme un oiseau qui échappe d'une prison, je m'envolerai. Je m'envolerai au gloire, je m'envolerai. Vous voyez,
on ne sait plus rien d'elles. Elles sont simplement portées disparues. Or, toutes ces choses allaient arriver dans les quatrième saut. Et prochainement, nous allons voir la résurrection générale. Là maintenant, on finit avec la première résurrection de 1 Thessaloniciens 4, qui devait avoir lieu dans le quatrième saut, dans le septième âge de l'Église. Et la résurrection qui arrive après, la résurrection de du lever du soleil, n'est pas à comparer ou n'est pas égale à la première résurrection. C'est ce que le frère Branham appelle la pré-résurrection. La résurrection générale, c'est Daniel 12, qui vient les autres pour le propre éternel et les autres pour le salut. Et le frère Branham dit que c'est étonnant après la deuxième résurrection qu'il y ait encore des gens qui ont le salut. C'est là où nous entrons maintenant dans la grâce du trône de blanc avec Daniel Curie. Daniel Curie est allé plaider sa cause devant le trône de blanc. Amen. Et Daniel Curie, ce sont nos parents, frère. Amen. Ta mère n'est pas obligée de croire le message, frère. C'est toi qui donnes la vie à ta maman. Amen. Frère Madame dit, et pourtant, je coupe, j'ai envie de continuer. Merci. Je finis. Soyez là le dimanche prochain, frère. Nous allons entrer dans la résurrection générale. Vous voyez, le message là, c'est difficile de prêcher quelque chose dans une prédication. Il y a tellement, il faut aller moins dans les détails. Parce que la dénomination nous a menti tellement. Les frères Branham dit que, et pourtant la Bible dit, c'est Jésus ou périr. Il dit, mais c'est étonnant que les gens reçoivent la vie après la deuxième résurrection. Frère Branham dit, voyez-vous, on ne peut pas ignorer les paroles de Jésus. Nous les croyons, nous la croyons simplement. Donc, la grâce du trône blanc, quand on arrive au trône blanc, à la deuxième résurrection, il y a encore des gens qui reçoivent le salut, mais ce n'est pas l'épouse. Et la personne qui donne ce salut-là, c'est l'épouse. Parce qu'on a donné toute l'autorité à l'épouse. Donc aujourd'hui, déclarez des bonnes choses pour vos parents, pour vos enfants. Parce que frère, même si nous croyons la parole, on n'a rien fait pour être sauvé. Comme eux aussi, ils n'ont rien à faire pour être sauvé. Vous voulez leur donner le salut, c'est tout. Frère Madame dit, je m'éclinique, et pourtant, la vie éternelle, c'est comment? C'est ni commencement ni fin. Il dit, mais c'est étonnant qu'on leur donne la vie. Frère Madame dit, moi aussi, je ne comprends pas. Mais on les a donné la vie, Jésus a dit que c'était comme ça. Donc, bénissez vos parents. Bénissez vos familles, donnez-leur la vie, parce que vous en avez le pouvoir. Vous n'avez même pas demandé à quelqu'un, oh Seigneur, donne-moi la vie, je vais donner ma vie. Non, dis, je te donne la vie. Amen. C'est comme les petits poissons, les frères, madame, n'a pas dit, Seigneur, je peux. Non, petit poisson, je te donne la vie. Amen. Et Pierre a dit, c'est que je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Amen. Il y a la puissance en prononçant la parole, frère. Je crois à la prière. On va prier pour les malades. Mais on a la puissance, on peut déclarer les choses. Tu vois, parce qu'il y a des fois dans la prière, on a des doutes. Mais quand Josué a parlé, Josué savait de quoi il disait. Il savait de quoi il parlait. Quand Josué était là, il regarde, on dit, oh, il commence à faire sombre. Il dit, non, j'ai besoin de temps, il faut que je finisse cette bataille aujourd'hui. Enfin, ce que Josué a fait, c'était quelque chose de grand. Soleil, arrête-toi. Parce qu'il savait qu'il était dans la ligne du devoir. C'est Dieu qui l'avait envoyé, il dit, soleil, arrête-toi. Tu vas continuer ton travail après. C'était la cour de la nature qui l'avait arrêté. C'est-à-dire, s'il y avait des montres là-bas, 15h, tu regardes 15h, il est là. C'est comme quand je suis arrivé en Europe, je pensais que la montre s'était arrêtée. J'ai regardé la montre, vous avez vu des regards comme ça, soleil. Oh. 21h, je regarde le soleil, il m'a dit, hé, ça c'est quel monde. Pour l'Africain, quand il est 18h, c'est la nuit. Mais pour l'Européen, à 21h, c'est le soleil. 22h, le soleil. Donc cela dépend de la position. Donc la position que les gens ont, ce que nous croyons, c'est du faux. Mais toi qui es là, tu sais que c'est du vrai. C'est comme un Africain. Un Africain, les TGV, c'est un futur. Mais l'Africain, même la route goudronnée, c'est un futur. Ouais. Chez nous, on passe ici, on construit les routes tous les jours. Ouais. M1, oh. Tous les jours, construction. Mais à Bokomo, quand on construit, ah, Félix, mais ça, c'est rien, ça. C'est là qui dépend de la position. Amen.
Oh, ici là, on a dépassé les TGV. On a dépassé toutes ces choses-là. La nourriture n'en parle même pas. Mais là-bas, c'est encore du futur. Bon, un homme comme ça, tu ne peux pas discuter avec lui. Et puis quand tu descends là, tu sens vraiment que toi, tu es là, ils sont là. Mais seulement on est humble. Et après, si je veux te bouder, il y a un matin, le TGV. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai vu quelqu'un qui est en Afrique. Il écrit un message à quelqu'un qui est en Europe pour dire que tu es villageois. Il est en Afrique, il appelle quelqu'un qui est en Europe villageois. Il comprend la tête de l'image. Amen. Que le Seigneur bénisse. Go to PowerPoint, si t'es là. Avant mon père, des fils de l'homme.
Thank you.
Si tu ne le fais pas, je brise votre contrat, tu viens retirer tes histoires et puis je remets comme la caution et puis c'est fini. Donc, il m'a fait peur. Mais je sais que nous allons nous en sortir. Si vous avez ne fût-ce qu'un petit 5 livres, tout ce que vous avez glissé dans les paniers de fond là-bas, ça va nous aider à payer la salle. Amen. Nous sommes des éternels, non? Nous avons beaucoup d'argent, on ne peut pas pleurer pour l'argent. Je sais que vous pouvez le faire. Donc, 5 livres, 10 livres, tout ce que vous avez. Même 100 000 livres, mais drôle. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Clotilde.
I'm going to be online with you.